Tu es où? J'erre dans les rues à la recherche de dessous chic. Je dis cela, mais en fait, j'observe les gens. Celui-là fixe mes jambes et tout le reste. Celui-ci ne regarde plus rien. Sa canne blanche me le dit. Un jeune garçon court devant moi en bousculant très légèrement les passants. Je suis devant une boulangerie. Il y a toutes sortes de bonbons et de viennoiseries, des religieuses de toutes les couleurs, roses, bleues, vertes, fuchsias. Bon, j'exagère un peu. Je rentre. Bonjour madame, je voudrais une religieuse. Certainement. Laquelle? Celle-ci. Voici, ça nous fera 3 €. Au revoir. Et voilà. Ça ne te gêne pas si je mange en marchant? Là, je dois traverser le boulevard Victor Hugo. Mais le feu est au vert pour les voitures. J'attends. On est 3, 4 à attendre, non. Finalement, on est un petit groupe hétérogène. Des grands, des petits, des gros, des maigres. Une dame à ma droite tient à bout de bras un énorme panier duquel dépassent des poireaux. Des poireaux. Et j'aperçois aussi des boîtes de conserve, des boîtes de conserve, du sopalin. Et des Kleenex. Et des Kleenex. Il porte un manteau un peu usé, gris. Mais je crois bien qu'autrefois, il était peut-être d'une autre couleur. Bleu. Sans doute. Sous son manteau, un pull sur un corsage blanc. Il est très propre, le corsage blanc. On voit bien qu'il s'agit d'une dame pauvre. Mais honnête. Ah, ça y est. Le feu est vert. Il était temps. Ça a commencé à pousser derrière. Tu sais bien. Dans les rues traînent toujours des vieux cochons qui cherchent à se frotter. Et quand il n'y a pas de vieux cochons, ce sont les jeunes cochons qui cherchent le contact. Je suis de l'autre rive du boulevard maintenant. Je marche. Et je suis devant la maison. J'entre. Tiens. Tu as oublié de prendre le courrier. Heureusement, j'ai la clé. Je monte. Je ne m'habitue pas à ces marches trop hautes. Madame Marianou n'est toujours pas passée faire le ménage. Elle doit être malade encore. Coucou, c'est moi. Je te vois. Tu me vois.